ce quatrième itinéraire Aïkido, j'ai le plaisir de vous faire traverser l'océan Atlantique. À 6761 km de Paris, je vous emmène à la Guadeloupe. Comme promis, je vous retrouve à la Guadeloupe, appelée également l'île aux papillons. Il s'agit d'un stage organisé par la Ligue de Zef Croisade Aïkido de la Guadeloupe. Durant ce séminaire, je vais présenter dans un premier temps les principes géométriques de construction des techniques et les quatre piliers de pratique dont j'ai déjà parlé lors des précédentes destinations. Puis je vais tenter d'éclaircir les notions d'intention, décision, action. Ça y est, je vais aller donner mon premier cours et je vous propose de partir avec moi à la rencontre des dojos de la Guadeloupe. L'intention est l'esquisse d'un projet qui, sur le plan martial, nous permet de prendre conscience de l'espace et du temps. En effet, même s'il est relativement aisé de se projeter dans l'espace et le temps par la pensée, nous devons savoir que nous sommes limités par nos capacités corporelles. Il convient donc de pouvoir évaluer le plus clairement et le plus rapidement possible notre capacité à pouvoir être à l'endroit souhaité au moment souhaité, avant de prendre la décision qui va mener à l'action. La décision intervient suite à l'évaluation de la situation. En fait, sur le plan martial, il s'agit d'opter pour la solution qui présente le maximum d'avantages pour le minimum d'inconvénients. Elle reste cependant le fruit d'un processus d'analyse qui doit se caractériser par la mise en route de capacités physiques et mentales. L'action est la manifestation de la décision. Elle se caractérise par la réalisation de la technique. Elle intervient grâce aux capacités acquises durant la pratique et implique les trois étapes que sont l'entrée irémie, la mise en déséquilibre et la finalisation. L'action martiale ne supporte pas l'hésitation. Elle manifeste la volonté d'accomplir ce qui a été décidé, tout en sachant qu'il n'y a pas de retour possible. Je profite de mon passage devant l'ex-Villa Coluche, qui se situe à l'intérieur de ce magnifique parc botanique ici à Déhay, pour vous donner rendez-vous pour une prochaine destination Aïkido très bientôt.